Ya dire si info télévision na tombeli bino mokolo mola mulelo na yeli susu liboso na bino lelo pona kolobela masolo ya mboka. La propriétaire de dossier a yeli bino lisusu lelo poto lobela situation sécuritaire ya République démocratique du Congo ndenge bino moko boyebi mayimanso ezali koleka na est ya République démocratique du Congo ndenge na yambelaki bino la fois passée. Maître Joël Kitenge lelo susu nazali na na plateau poto solola na ye situation sécuritaire ya République démocratique du Congo na yebisaki bino ete à tout moment na kolinga kolobela mayima tali sécurité ya parti est ya Congo. Maître Joël Kitenge azali invité na biso oyo tokobanda ko décrypter na ye masolo ya situation sécuritaire ya Congo ya RDC topé ya est ya RDC. Maître Joël Kitenge, bonjour. Bonjour madame Pascaline, bonjour pena ba compatriote nyonso bazolanda ming mingi na parti est mais watakia bangaribi njema polesa na kwa sababu mioyo yenu imeumizwa na vidonda havyo havitaadi kubaki hadi mwisho mtapona. Kweli hadi mwisho itapona. Maître Joël kwa kisi tunasema kasi yambo ete to decrypter na bino information tope actualité alelo lelongo na Maître Joël Kitenge bino mboyebi wana eza spécialité na ye na komekana na lombango kotange la bino ba dossier tozali na yango lelo na bongo tolobi bo mimoisano. Le décrypte de Pascaline commence. Dossier ya lelo ya liboso esengeli boyeba ete opération coup de poing ezali ko continuer na ville province ya Kinshasa. Mwana mboka Jantini Ngobila elongo na vice gouverneur ya ville ya Kinshasa mwana mboka Jekoko Mulumba ba kitisi maboko te bazali ko continuer na opération coup de poing baza ko buka ndenge bino nyonso bozali ko mona partout bazaki na nyangwe ba buka ki batu nyonso oyo ba lekisaki mindelo to batongaki koleka mindelo oyo epai wapi leta tiela ki bato ba buka ki bango bazalaki ka na nyangwe te to mona ki bango pe na balabala oyo babengi Wileri kuna pe ba buka ki ba kende ki pe na avenue du stade na avenue Oshwe bazala ki pe na uti koleka na avenue Flambeau na moni pe sika wana kuna kutu bazali te baya kobuka bango moko baza kolongola bato o baebi ete bazali na kati ya molongo te baza kolongola bilo na bango kasi lelo bazala ki pe na rompwenga ba po na komeka kobuka ba o nyonso batongi d'une manière anarchique o ya yebike mondelo no eza awa me olekisi 10 mètres otongi po balabala leta ekomi ya yo na ebandeli na yango tomonaki bato bazalaki quand même kolinga te mais sikoyo nayebi te ondre population mpe sepeli nango na modele ya kobuka wana toye kodécouvrir kendoka Kinshasa ezalaka nango monene mais bato nde donc ça veut dire que na mboka oyo un certain moment autorité à l'état il a quitté moto na moto zaye kotonga ndenge ye alingi lelo so le kana Pascal okomwa ndé Pascal ifongwami kotoyo ville quand même ezako respirer opération coup de poing ezako continuer to komekape ko lo bayango na kosola na yango na Maître Joël est-ce que c'était le moment ou pas parce que bobo sanité que année o eza année électorale. Et Sengeli Boyeba ete mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, azali na île de Comore, et sika wapi azali na ngonga oyo, boyebi ete na sima ya kokende ya pape, ya longwa ki awa, akenda ki Bujumbura, na sima akenda ki Angola, akenda ki Congo Brazzaville, azali ki na Cape Town, kasi lelo azali na île de Comore, et sika azali kosangana na ba homologue na ye. Na ba dossier le lope tozali na dossier moko ya basoda moko songolo balobi ete bango bazalaki basoda ya FRDC kasi balongwe na bango na FRDC bakeyi na bango na M23 tokolobela yango na Maître Joël po ete ye a explike biso eloko ni ezo salama comment est-ce que basoda bakolongwa na FRDC bakoma na M23 esengeli boye ba ete tozali pe na dossier ya stade de martyr oyo eponami te pona maponami ya ndembo oyo ebetaka na
CAF to na bato o batala kama kambo ya coupe d'Afrique balobi ete esengela ki yango ezala modele moko boye kasi basali yango ndenge esengela ki te donc ba poni yango te na ba stade oyo ebongami pona kosala ma mayangani wana ba dossier alelo tozala ki nango yango wana tokosola siko na maître Joël situation ya Est ya République démocratique du Congo. Maître Joël na zongelio lisusu na yebiete yo zali spécialiste ya sécurité au Italie Est ya République démocratique du Congo na lobara toujours na santa kake ou maîtrise ka dossier wana na lingi o yebisa biso na comment se comporte l'Est de la République démocratique du Congo. Merci d'abord pour la question. Situation za koleka na Est, il y a tout à fait trois comportements qu'il y a constatés sur le terrain. Dans certaines petites localités, la panique. Panique, pas puisque la localité est allée contrôlée par les forces rwandaises, non. Puisque le coup, au moins, il y a des soldats, mais ça n'est bête, il y a des massacres, surtout à l'Okito. Et occupé que petite, vous avez l'impression de dire que vous êtes là, on a assez en bête, alors que ça, moi, je suis à 4 km. C'est ce qui occasionne la population, notamment ici, là où il y a plus la situation, elle est tendue. Ils allaient dans le territoire Yamasisi. Dans le territoire Yamasisi, pendant que les environs, il y a le territoire Yamasisi, ils allaient qui en proie à la violence, la population commençait à s'évacuer pour la Kolungwa. Certains quittaient même de Masisi pour aller se réfugier à Minova. Les autres ont pu décider de quitter de Minova. Il faut noter que à ce jour, la route, la seule route qui pouvait et qui est encore à moitié praticable pour acheminer le bien vivre à Goma, c'est la route de Sake, qui est encore praticable puisque la cité de Sake, le lot population Nyoso et Zongi. Nasake après un certain désarroi et ceux qui sont arrivés ba benga ki ba population so ba bima ki pona ba crépitement d'âme pe bazonga et les FARDC continuent à occuper à l'ouest de Sake 10 km toutes les localités qui sont là sont contrôlées par les FARDC et de l'autre côté vers la route qui ramène de Sake axe Sake Kichanga est à peu près 22 km encore occupé par les FARDC mais ça fait 5 jours sans relâche. Le combat n'a pas baissé de deux côtés et les FARDC se comportent à merveille. Et il faut ici saluer vraiment les comportements des FARDC en abyssaux sur terrain qui ne font que contraindre l'ennemi à ne pas couper la seule voie qui mène, c'est-à-dire la route de Sake pour arriver à Goma. Kasi, qui est contrôlé dans les FARDC maintenant. Et nous attendons l'évaluation sur terrain, peut-être que jusque le soir, les FARDC pourraient récupérer Kichanga, puisque la bataille est jusque maintenant Kichanga qu'on a comprimé les Rwandais. Mais ils ont ajouté encore une des troisième tactique que moi j'ai apprécié beaucoup plus, puisque dans le contexte Bitumba, on ne peut pas contraindre l'ennemi par un seul front. Et ils ont ouvert un deuxième front pour repartir dans les alentours de Kibumba, donc au territoire de Rutshuru. Et quelques fronts aussi et des bombardements ont été intensifiés dans le territoire à Nyiragongo. Et à ce moment-là, il y a trois fonds que les FARDC engagent pour comprimer l'ennemi à l'intérieur. Et ça, c'est une réaction très, très positive par rapport à la réalité. Mais tout est tendu. Pourquoi? Puisque la situation humanitaire est très préoccupante. La population, la localité, la Bango, dans les conditions que nous insistons au gouvernement, même aux communautés internationales ou l'Union africaine, que nous n'avons jusqu'à ce jour bénéficié de l'aide. Donc, qu'un État africain du point de vue social ou humanitaire. Mais nous avons vu la solidarité des présidents des États africains. Tout le monde tweet, commençait à se montrer solidaire avec la Syrie, avec la Turquie. Après, tout ce que je me dis maintenant, dans le cas africain, ça, c'est des questions que je me pose. Et en dernier mot, dans le territoire, il y a Rutshuru, par contre. Et on est entré d'asservir population, bah, cultivateurs, puisque dans un village,
biso toza bana ya ba ya, ya bana ba kula na mboko ba botama na mboko ba botama na tokona ndako bana ba botama na kotokona ndako tuvika kabeka na bilanga les parents vont le matin na bilanga ba zongi na poko na badi kolamba et ba rebelle rwandais wana baza ko botola pe konyoko la batu na bilanga, ce qui fait que la population ne fait que se vider de plusieurs localités à Rutshuru pour rejoindre notamment les zones d'occupation côté à Kanyarushishe ou bien aller encore très loin à Kanyabayonga, et les autres vont pour tenter de renverser, ramasser pour aller à Sake, à Minova, où les autres vont à Goma. Maintenant, la localité aux Okotika, la ville, l'information sur terrain de certains témoins parle d'une massive population rwandaise au Bazoko Utana Rwanda pour commencer à récupérer la localité Bandako Batu Bazalaki. Et vous savez qu'est-ce qui va arriver maintenant? Une fois que la sécurité est installée, le retour de ces gens, et qu'il y a ce que ce qui est dans la zone, et qu'il y a ce qui est alors, pour qu'il n'y ait pas de trace que tu constates que tu as un village, tu as Sika, et c'est là où le massacre commence. Le retour des vrais autochtones, là où le massacre. Okay. Pour garder et échanger. Et donc, c'est dans la guerre de l'agression. Nous sommes dans cette philosophie. Ils se sont, en fait, le Rwandais s'inspire de la création de l'État hébreu après la Deuxième Guerre mondiale. De 1944, quand l'État hébreu pense qu'on a délogé les occupations palestiniennes, d'un côté à la colonie, à Cisjordanie, et il commence à construire, c'était ce qui se faisait. On pousse par une méthode militaire des Arabes et palestiniens et les Juifs construisent. Les Juifs construisent. Les Juifs construisent. Et enfin, ça devient un conflit et ça devient un problème. Il y a règlement, des discussions. Et c'est comme ça que vous verrez que Macron, dans les visites qu'il annonce tout à l'heure à Kinshasa, et Kozalapo, a tenté de créer un rapprochement de Kinshasa, Kigali et autres pour discuter certainement de ce genre de questions. Que moi, je crois que le gouvernement de la République doit rester prudent autour de la question, ne pas négocier, reste la meilleure alternative, mais il faut réduire des méthodes. La guerre totale et complète en interne pour éradiquer la force négative venue du Rwanda et étaler cette question d'offensive jusqu'à Kigali. Deuxième question, c'est de regarder le rapatriement de tous les Rwandais au Congo en situation irrégulière et étudier cas par cas pour naturaliser les Rwandais qui veulent devenir Congolais, puisque la question de l'Est, c'est le Rwandais. Merci beaucoup, Maître Joël. Mais est-ce que je comprends, ça veut dire que, comme les gens ont supposé, Sake déjà n'est pas tombé entre les mains de... Non, Sake est sous contrôle des... Et deuxièmement, c'est la même méthode. Nous avons vu vers 2013, 2012, 2014, Nengena Beni, massacrer la population, donc pousser la population à Kobima, la cité, pour venir occuper. Heureusement que le peuple Nande est aussi... Les Baoundé. Plutôt les Baoundé et les Nande notamment sont perspicaces parce que ceux qui ont bengani bango lelo lobi bazongi bengani bango lelo lobi bazongi et c'est de cette manière là que cette infiltration là nous a expliqué et choua qui dans cette partie là vers les années 2015-2016 autozai komona ba photo ba bakati mutu maboko ba éventré mutu tout ça là. Oui, on a éventré des personnes à Rutshuru avant. Oui. Mais tous les colis qui ont été faits, des sénabis, tous les copés, ça va toujours. L'ongonia, Maître Joël, qui t'engue, je suis naïbi, qui était avant-hier, la MONUSCO a encore tué des compatriotes congolais. Autant que l'on a eu une action humanitaire, le but est qu'il y ait un convoi humanitaire. Mais dans le cas où il y a une population, il y a en barrière pour les cater. Parce que la population, il y a supposé que MONUSCO est infiltré, tout est comme un rebelle. Maître Joël Lilobani nous a dit par rapport il y a agissement, il y a MONUSCO. Est-ce que la population, c'est là qui m'a bé? Est-ce que c'est vrai que MONUSCO est infiltré? Mais écoutez, question à MONUSCO, c'est une grande discussion. Oyo, le gouvernement de la République est mieux placé pour analyser de la question. Il y a à quand le départ de la MONUSCO? Lelo, nous entamons 25e année en mission des Nations Unies au Congo. Donc, Bano Bazako manifesté na Gomozo Kotangawana, qui ont 20, 23 ans, 22 ans, 24 ans. Ils sont nés et trouvant la MONUSCO ici. Okay. À 25 ans, moi, dans 6 universités, trouvant la MONUSCO ici. Donc, eh bien, déjà, un quart de siècle d'une mission de pacotille
des chèques et de tourisme de paix ou de maintien de paix internationale qui est un maintien d'assassinat et à bout portant, nous ne pouvons pas tolérer qu'il soit onisien, qu'il soit n'importe quelle force internationale, abattre le Congolais alors qu'ils sont abattus par des Rwandais, 8 personnes mortes, 28 autres blessées, et nous attendons qu'il y ait à peu près 2 personnes blessées qui sont tombées des suites de leurs blessures par balle. Mais maître, ça. D'accord. Mais nous, nous avons mis par erreur, pourquoi la MONUSCO s'amuse toujours à tirer sur le peuple congolais? Eh bien, c'est cela. Moi, je crois qu'ici, nous allons soutenir la vision, le travail du président de la République, mais je n'ai pas les cajolés. Et ici, c'est l'État congolais qui a le droit, les devoirs, l'obligation, la responsabilité de protéger son peuple et de le défendre contre qui que ce soit, MONUSCO soit-il. N'entrée, il y a Kassindi. Au début de ces hostilités, ça fait cela à peu près 6 mois, 7 mois passés, la MONUSCO a pu abattre non antérieurs jeunes et en blessé plus de 200 quelques. Tout le monde a dit MONUSCO, il y a casque bleu, il y a un kilote, il y a un kilote, il y a. Alors, ils ont abattu la population et des blessés. Et la fameuse Bintou a dit promettre à les Congolais qu'ils vont mener des enquêtes pour établir des responsabilités. Chaque fois qu'il y a des bavures de la MONUSCO, on nous promet des enquêtes et des sanctions. Ça n'est jamais venu. On a attrapé des casques blés pakistanais et autres dans le mine, dans le minerai. Bah, char de combat à MONUSCO n'a pas coltan na kati et ils sont trempés dans beaucoup de choses. Et pendant 25 ans, savez-vous qu'il y a combien de bâtards que la MONUSCO a laissé ici? Avec nos filles et nos enfants, nous nous retrouverons avec comme des autres qui nous viennent de la Zambie, et du Sénégal, des petits que les prêtres ont laissés ici, comme Bamoussouana, Lumbashi, tout ça. Et ils vont se battre demain, je suis congolais. Nous, quand moi, on est à MONUSCO, Oyo, Baria Kouti, Kaye, Awa, PCSM, soit dans la toilette, soit dans la boîte de nuit, on ne sait même pas si on a piné la voiture. Alors, nous nous retrouverons avec des problèmes difficiles à gérer demain. Nabano baza attaché na bisoto azara makila soki ya nani na katia nzoto et il commence à embrayer les gens inutilement congolais. Pour le moment, le gouvernement sait qu'il a à faire. Le président, dans une des réunions de conseil des ministres, à l'Oba Boye, peut expliquer qu'il y a nécessité, qu'il y a importance, il y a expliquer notamment, le gouvernement a établi une feuille de route. Laquelle faire de route et qu'on déterminait le départ de la MONUSCO. Regardons-nous en face, ce n'est pas le président de la République ou le gouvernement. Le secrétaire général des Nations Unies, Aya, s'est confié à la chaîne étrangère, dit que Mission Abango est échouée, a préconisé la mise en place d'une force régionale de paix purement africaine avec un appui des bailleurs de fonds au Bakou, avec des missions Anna. Et il dit que Bazana Bahar Mouekokani. On va les garder pourquoi? Les conclusions sont là. Moi, je suis solidaire avec la population de l'Est. C'est cela mon peuple. Je suis solidaire avec le gouvernement de la République. Des peuples n'ont pas tout n'anga. Naya MONUSCO te. Bisognos toza va partir signataire. Il y a accord, il y a statut où est créé les Nations Unies puisque toza pays membre. Mais sachons que le départ de la MONUSCO, c'est ce que le gouvernement doit faire. Sans question ni détour. La population doit continuer à mettre pression. Mais, j'ai toujours dit, évitons des casses, de pillages et de réalités. Le leader de la jeunesse locale, Akanya Rushiche, il explique que Nassimaya, quand il y a déplacé au Bazalaki, on a trouvé de mines antipersonnelles. Il y a Simakuna et ce sont les gens de la MONUSCO qui sont venus déterrer la mine antipersonnelle. Et le camion brûlé, on a trouvé la même forme de mine antipersonnelle, la Katia Camion, la MONUSCO, plein. Bando placé en Gopona Nani, dans quel contexte? Quand est-ce que la MONUSCO place ça peut-être dans la zone où les rebelles basali pour exploser Bango? Et là, c'était la colère
et il fallait envoyer les deux mineurs aux alentours du camp pour essayer à quoi est-ce que ils l'ont mis à destin pour que la population basan a déplacé ba kokende po bana ba katana makolo tout ça là j'ai vu que na mutu biloko mataki ngala mutu na mukuse mboka na biso ezat théâtre ya ba semblait à permission de PT. Et j'ai essayé de lire l'organisation elle-même, où tu as écrit Ama depuis la fin de la première, deuxième guerre mondiale, Tilelo, Batika Kouti, Akimia, Namboka, Mokote. Et nous ne serons pas la première jurisprudence. Partout là où ils partent, toujours ça, c'est que Mboka ne s'il ka kebenga na kabango ka kabongo pour Batika Akimia, Tamukolo, Mokote. Batika Akimia, Tamukolo, Mokote, Maître Joël Kitenge, Yomoko, Utcholo, Ba Awa. Goutteres a eu ça qui lui saut que bon, bazana mandou qui a rebondana ba rebelle. Donc, ce qui bazana mandou qui a rebondana ba rebelle, t'es, t'es dans la binope à cause de la République démocratique du Congo et Zali, t'es. Tosengi na tata mokonzi wa ekolo, tosengi na gouvernement ya République démocratique du Congo, ba mekanon koyo kambela ya peuple. Ba na nord ki vuto ba na goma bako telema pe, pa mbaka rate po na sentiment ya ko telema. Ba ngonde bazali sur place, ne bazali ko vivre ba événement wana, kasi population, na ba autorité, bo meka kozala na entente, po na kosisa makambo. Monisco tosi to limbi yango. 25 ans de maître Joël Alobia wa, mwana botami, na silisi licence, abandina mosala, monisco za la rakaka awa, batika la otia kimia esika mokote Monisco tozo na besoin moko ma ba convoyeur ya ba œuvre humanitaire te parce que kimia za pa na biso bato ba Rutshuru bato ya Beni bato ya Kanyabaonga bato ya Kaina bato ya bamboka nyoso eza kuna ba mesana ko sala bilanga bazaba bato ba mesana ko sala bilanga bazaba to ko kelela te bazaba to ba mesanite bazana besoin ko vivre na aide humanitaire te ba milier saka ba mi prenaka en charge. Maître Joël, dans l'ingito zongi la sou likambo oyo, tout tiko ba likambo Monisco, dans l'ingito le belapé likambo ya force régionale ya EAC. Maître Joël, motuna nanga ezali, est-ce que force régionale ya EAC, et si esala peto, et si e remportant pe victoire na moka moko moussousou, tomba la liboso force régionale EIA ezaka na RDC? Non, mais la, en fait, cette organisation ya EAC existe à Bandakala. Biso, République démocratique du Congo, n'est au Tikokota à peine sous la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Alors, force à EAC se confronta déjà à des différentes guerres de déstabilisation des États membres et ce fut le cas, il y a ma crise mi-balé. Bon, d'abord, il y a la double crise, puisque l'Ouganda, membre à EAC, va appuyer militairement le Rwanda, membre à EAC du gouvernement d'Abiarimana, et l'armée ougandaise qui a chassé Abiarimana au pouvoir avec l'appui de quelques miettes de poussière de réfugiés rwandais qui étaient en Ouganda, donc de Rugenda, de James Kabarebe ou pour Kagame, et qui appuyèrent maintenant de Bakenda Korongola. C'est au retour même de ces pourparlers organisés par l'EAC na Arusha, na Tanzanie, là où on a signé un accord et a cessé les faits entre les Tutsis qui sont venus de l'Ouganda pour chasser le Hutu qui était au pouvoir vers les années 94, puisque la rébellion, presque la crise a commencé en 91, elle a perduré pendant 3 ans, 4 ans, et 94, et occasionné la mort de Juvenal Habyarimana et le début du génocide déclenché par les Tutsis qu'on a fait porter les chapeaux au Hutu, mais la mutilation et les massacres étaient des deux côtés. Et quand les Tutsis d'ailleurs sont venus aux Zaïre de l'époque pour appuyer et chasser Mobutu, et c'était le carnage. Le nombre de Hutus morts à Makobola 1, à Makobola 2, le massacre de Mwenga, de Rutshuru, mais également celui de Mbandaka, font état de plus de 80 000 morts. Au-delà de Oezali, na mémorial, il y a massacre. Il y a Barandé qu'on va tout le temps aller faire des adorations inutiles et symboliques. Mais pour ma part, le même schéma de la distraction que l'EAC est en train de faire, distraction au Yokazona Kamoria, Juvenal Habyarimana. Théorie que je ne souhaite et je prie que ça ne nous arrive pas. Pourquoi? Puisque pendant que les rébellions, la rébellion de Kagame était en train d'avancer en appui avec l'armée ougandaise, c'est le même cas. La rébellion du Rwanda avance ici à Kinshasa avec l'appui de l'armée rwandaise contre l'État congolais. Et on nous amène des réunions
en réunion, de réunion en réunion, en rentrant d'une réunion, eh bien, un avion de Juvenal Habyarimana a été abattu et le président burundais va mourir. La crise commence au Burundi. Léa s'était confrontée à des crises, le Burundi, et la Tanzanie a pu faire beaucoup d'efforts. Donc l'EAC serait une distraction alors, maître Joël Kitenge? Dans toutes les organisations sous-régionales africaines, c'est non qu'il y ait des organisations de pacotille. Mais est-ce qu'il était important pour nous d'adhérer à l'EAC par rapport à la situation sécuritaire? Parce que la situation est toujours tendue à l'est du pays. Depuis plus de 25 ans, situation est à la Kanango tendue. Maître Joël Talakoutolino, Kotsangana français, émission Abissé à la Kanango, na Lingala. Mais est-ce qu'avec une situation sécuritaire, il y a qui important pour Nabiso Kokota? EAC, je vais renchérir avec ma deuxième question directement à Kolobaki. Est-ce qu'aujourd'hui encore nous avons besoin de l'EAC? Oui et non. Important, oui et non. Besoin de l'EAC, oui et non. Donc, dans les deux questions, mais je vais répondre court. Mais là, il faut paraphraser d'abord la position de M. Mboso, le président de l'Assemblée nationale, n'a sorti na à réunion basala qui n'a André Gilbert Kabanda, ministre général, ministre de la Défense, et ben généraux n'a pas encore constitué, mais également la commission sécurité défense et à parler du peuple de l'Assemblée nationale pour évaluer autour de la question. Bosso a été clair, faisant des recommandations au commandant suprême, si et seulement si le rapport en notre possession, l'armée kenyane, l'armée burundaise, on parle de ces deux armées qui sont déjà là, ne peuvent pas s'impliquer pour nous aider et qui ne passent pas d'idée à quoi se complaire pour appuyer les forces négatives à nous agresser et à étaler leur domination dans les zones qu'ils sont en train d'avoir de viser aigri. En tout cas, il a appelé le commandant suprême à prendre la décision et la bonne. Ça lui revient. D'ailleurs, ils sont en train de chercher à convoquer une session spéciale pour ça. C'était ça mon point de vue. Je suis passé dans toutes les chaînes les appelant. Écoutez, un pays en guerre, un pays agressif. Vous allez en vacances. Vous allez en vacances. Vacances, c'est ça, les sous-moutés. Et ça peut... ma belle amie. Mais Mboka Ezana n'a pas. Venez travailler. Oui, Mboka Ezana a pris aussi. Oui. Regardons devant ce moyen. Merci pour Balamouki. Balamouki. Puisque au moins, il y a un jeune homme qui a papa Mboso. Comme il y a ça, la politique et l'héritage. Ça veut dire, aux autres, ça la politique, aux autres, les gébana, tant que le babana, je ne parle pas de ses enfants biologiques, bilingue, oui, au bayako s'appuie avec les bases au binobokotique. On ne les souhaite pas, bakoufalelo, on a besoin de leur expérience, mais l'âge où si va atteindre physique et politique, ils doivent poser des actes d'héritage. Mais est-ce que l'Assemblée nationale ne se réveille pas en retard parce que ça fait quand même autant d'années que cette situation est allée qu'on s'est pérennisée? Pourquoi convoquer une session extraordinaire aujourd'hui alors que la situation est à la Ranamouka depuis quand là? Bon, la session, elle est là puisqu'il y a encore une attitude qui se faisait. Puisque l'Assemblée nationale a prolongé, voté, laissé l'état de siège continuer à la Bessiga Paysali. Et c'est pendant cet état de siège qu'il est actualisé. Les choses ont semblé évoluer. Il y avait un gouvernement qui agit. En théorie, la séparation du pouvoir entre l'exécutif et le législatif, il fallait laisser à chacun d'agir. Et la nécessité mena, il y a élit le pouvoir législatif. Est important à quoi intervenir s'il faut réfléchir comment modifier les régimes juridiques. Il y a province à Nord Kivu, Naïtouri et les besoins, s'il faut quoi ajouter province à Sud Kivu dans un régime que moi j'appelle un état de guerre, puisque c'est cela qu'il y a aujourd'hui. Mais nécessité pour que Tokotana état, qu'est-ce qu'on dit, EAC. Oui, puisqu'on a besoin d'avoir des échanges sécuritaires, économique et commercial. Le monde, les lois va se clôter que l'homme ne peut pas se développer soi-même. Prenons l'hypothèse que tu fais le commerce, tu es le Congo, c'est toi, tu fais ton commerce ou tu développes n'importe quoi. Même ce que nous faisons ici, s'il n'y a pas un autre, c'est-à-dire le caméraman, c'est un autre. Ou Azakota, la vidéo, Kuna, c'est un autre. S'il n'y a pas de répondant, ce que nous faisons est inutile. Même Congo, ils ont la richesse, ils ont la biloko et belé. Si ce que nous avons ne peut pas aussi aller faire l'argent ailleurs, eh bien, c'est inutile. Au côté Kabilo, vous comprenez? On a besoin de faire des échanges commerciaux avec les voisins. Ça a existé et ça peut exister dans l'organisation sous-régionale. On a besoin d'échanges culturels puisqu'il y a des peuples au Bali, au Congo, au Bali, du point de vue
sociologique et culturelle, bazali pe na ba pembeni mitinga zinga kuna. Ezala ngambo to akoto na Kinshasa, ezala ngambo ya Equateur pembeni ya Centrafrique, ezala ngambo ya Lubumbashi na ngambo ya qu'est-ce qu'on appelle ya Zambie, okuta ba bembe koto yo, ba bembe koto. Okuta ba choko koto na ba choko koto. Ya culturellement on a besoin de se rapprocher de ces autres. Mais le drame c'est que et s'approche de nous na ba visé. Mais maître négatif ma voisin au balingi na bango te côté capé bango de côté à réponse ya non ngai maman le président de la république si je crois en lui s'il y a un geste au séduisant a-t-il lelo et j'ai toujours appelé car c'est un geste du sali et c'est le geste qui a tout changé la vie de l'IDPS et de nous tous et ça na Genève na Suisse Andima a signé, a cédé candidature à présidence de la République, to gangi, to tomboki, a talibaz, a zongi sima, a retira mokolo to naende baba na français signature. Geste o et sauva parti, et sauver Congo, et tous ceux qui se reconnaissent à Félix Tshisekedi comme une bénédiction pour le Congo, savent que tout est parti de cette signature. C'est pour nous dire quoi? Tout homme sérieux peut s'engager à quelque chose. Mais engagement, le signature, ce qui est pour profiter d'un intérêt à peuple, à yo, et à la Libala, et à la Mombong, et à l'association Babi Makakaka. Au Bendinzoto, au Zongi Sima, puisque tout ce que vous faites doit intervenir, il y a profit, il y a Libota, il y a Congo, il y a Mboka. Mais au côté, vous avez un bateau. Vous avez un bateau, vous avez un imagine, tu as suivi ce que le fameux, ce fanfaron menteur pathologique a pu dire à l'accord avec l'ambassadeur hier. À l'objet que Félix Tshisekedi a respecté l'accord, mon côté, est-ce qu'il a respecté ou a signé qu'il n'a pas et assez étonné à tout le président de la République, d'abord, pour rappel, Ndengaouta qui Burundi n'a rien signé. Les images, le rapport sont là. Le Congo n'a rien signé avec qui que ce soit. C'est l'organisation qui a décrété à l'unanime, le président de Soba levé option qui a cessé le fait, renvoie à ma troupe, puisque ce n'est pas nous qui envoie le troupe, les pays qui vont envoyer le troupe qui signe, renvoie à ma troupe en République démocratique du Congo, et ensuite, M23 doit se retirer des zones qui l'occupent, rapatriement des combattants étrangers à leur pays d'origine et dernier élément, comment co-intégrer, co-insérer, co-démobiliser les combattants dans une. Mais maître Joël, tu as aussi signé qui peut à Bongo dans Luanda, tu as signé qui est en Nairobi, rien n'a été fait en notre faveur. Lorsque tu as signé Ango, nous avons été devant la communauté internationale par Lutundula, expliquant la bonne volonté du gouvernement congolais et combien le Rwanda n'a pas observé rien dans tout ce qu'il a signé. S'il parle des accords, il voulait parler des accords commerciaux, économiques et échanges. Il veut parler des accords autour de Nima qui, qu'est-ce qu'on dit, Rwanda, air et sionné, espace aérien congolais. Oui, si c'est de ça qu'il parle, aucun accord par le Congo ne sera respecté tant qu'un accord ne sécurise pas l'intérêt congolais, ne profite pas à l'État congolais. Le Congo a des droits, tout comme tout autre État, de ne rien continuer à ceux qui ne nous profitent pas. Si lui ne comprend pas, donc on comprend que ce sont des gens qui n'ont pas été préparés à réfléchir dans un certain niveau. Il le réfléchit en bébéage, mais il se croit être intelligent et sage. Voilà. Ok, maître Joël, nous pensons vraiment que ça sera la énième ou la dernière encore réunion. Il y a Kokenda Rassoukoyeb, Sarabiso, les retraits des M23, les cessés des feux, ceux qui ont eu le respect, alors que Bissot, jusqu'à là, tout ça, qu'on respecte, car maître Joël, et peuple, Zako Kansakara, qui est président Félix Antoine Tshisekedi, partout, Zako Kende, Zako Kende, Bango Moro Bazo, Bengango, Kopler Niché, et Zakarake, Boye Rwanda, Zongi Boye Rwanda, Zongi Boye Rwanda, Action Mokozo Salama, avant d'être maître Joël au coplacé pelle le balcon en gros mais en boîte et tout le bilingue on a l'ingé qui total à image où il y a première dame il y a RDC l'épouse du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo madame Denise Nyakeru Tshisekedi qui a été lancé les travaux il y a Kobanda Kotonga ma hôpital il y a ma banga auto yebi équipe à capé et sunga kabana auto bengi babela kato bazalaka nabokono auto bengi SS Tolandi Nabilili, la première dame Denise Nyakeru Tshilombo, à l'hôpital de Mabanga.
Bouti kolanda Madame Denise Nyakirutilombo akuta kibongo akenda kibongo na bolimbisangai ko lancer ba travaux ya hôpital ya mabanga oyo esungaka pe ekipa kabana oyo bazali na anémie FS longonya na mama na biso Denise Nyakiruti seke ditilombo na musala nyoso azali ko sala pona bana Congo lokola mama ya ba Congolais nyoso azali ko fanda te alembite mikolo nyoso tango nyoso azali ko kanisa eloko nini ya malamu o ya kuki kusala pona ba Kongole. Ezali teke mama afandi aroze la mokolo mande kosila toyo ka o mama tongaka hopitali na ye moko ya sofistike alors ke ba Kongole kotoyo batikali na hopitali te batikali na eloko moko te. Bato oyo to ba agent pe bana to ba ndeko nyoso oyo ba usager ya hopitali ya mabanga ba kotika na souvenir akoye ba ete mama Denise Nyake wale kaka awa pe asungaka biso na hopitali oyo lokola mama ya ba Kongole. Yango to pesie longoni ya mingi maître Joël tozai kolobela makambo ya est ya république démocratique du Congo la zai koloba ete nous espérons que ça serait la énième plutôt la dernière réunion où on va encore aller dire cesser les feux retirer tout ça là ba détail nous so yo pesi wana mais surtout nazala likambo na ngana na maître Joël ba lobi ete Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Sengeli a consulté Joseph Kabila Poye azali expert ya makambo na maître Joël. En fait, tu as posé 2, 3, 4 questions au même moment. J'encourage la fondation. D'ailleurs, c'est dans le cadre, la construction sera purement et 100% financée par la fondation des Nyakiruti Tshisekedi. Dès que ton hôpital est au Yamabang, au bénéfice, il y a des drépanocytaires ou des drépanocytoses comme un phénomène connu sous l'appellation de SS. Non. Par rapport aux réunions des rencontres entre États membres et EAC jusqu'à ce jour, les notoquins, tous les ans, quatre organisations, en État membre, nous avons des droits et des obligations. Il peut toujours y avoir des réunions. Mais ce qu'il faut exhorter le gouvernement congolais, c'est de ne pas se laisser entraîner dans la forme et dans la distraction sur des réunions qui ne produisent rien. Et si nous ne pouvons pas aller dans ces réunions qui ne produisent rien, nous n'avons que deux options. Pour le moment, la première serait de suspendre tout à fait cessante notre participation na EAC et avec l'Assemblée nationale évaluer les méthodes et les mécanismes des droits pour sortir définitivement dans l'organisation si le gouvernement trouve que ma proposition elle est bonne. La deuxième, si dans les délais qui suivent l'évolution du combat sur terrain à l'Est, force ya EAC ne peut pas s'engager offensivement na biso mampinga FRDC contre ma armée rwandaise, eh bien, nous n'avons pas non plus besoin de, et il est impérieux de rappeler, ma troupe fala ki baba ki sa bayate. C'est une proposition de demande pour Yari Maseki. Alors, Nalikambo Oyokoroba, puisque moi je sais, je n'ai pas été tout ça, mais j'ai fait quand même la communication et le droit. Et de ces différentes formations académiques très aguerries, je sais comment un cabinet du président de la République communique. Je vérifiais dans tous les médias sociaux crédibles et toute la presse africaine crédible, madame, il n'y a jamais eu une presse pendant la période où Félix Azalaki Kuna na Luanda ou accorda qui Joao accordé interview. Ça c'est un. Il n'a pas accordé l'interview. Cette information Bozo Sunga laboratoire Yamanike Kingakati. Vous êtes entré dans un laboratoire de mensonges et de non-fondements. Le site officiel du gouvernement angolais n'a pas laissé une telle trace. L'équipe qui a accompagné le président de la République à Luanda n'ont pas laissé une trace. De qui avons-vous tiré une telle rumeur? Joao Lorenzo, c'est un général des armées, Aouta Soda, général pour devenir civil et chef de l'État. Il le sait au moins. Bon, j'attends souvent cette histoire d'expérience militaire. Bon, admettons que c'est une rumeur, mais disons-nous la vérité quand même. Est-ce qu'il n'est pas important aussi ou impérial aujourd'hui que participation à Joseph Kabila, toko consulté, yeto yé a participé parce qu'il que Rana Lobby qui a zali pe sénateur à vie, et a pe charge na yete, aya pe na ide na yé, aya ko tchape malouba na yé. Naibite ngai, na lingena s'adresser à ma famille, loko lo yanga, yayote.
bah ouya famille ya bah d'autres familles na ouais bizarre ko loyanga au bando qui baza parce que boye puis déjà que muto yo fuinji ne balo bakana kiluba lolo fuinji na kiluba kati ça veut dire ndoki et vous savez yenda lia kabatu to yenda azipe loko tela kunda na kati ya lupango elia kabatu to yenda simbi kichu yenda simbi kodia et vous allez lui proposer la solution dans les problèmes que lui-même a créés. Est-ce qu'on est sérieux là, dans la vie? Tout ce qui se passe à l'Est, l'architecte de ces chaos, c'est ce monsieur que tu viens de citer son nom. Et vous l'appelez pour qu'il trouve une santé médiatique, tu vois, il est bloqué et on est venu me chercher pour que je résous la cause, alors que ce sont ses frères rwandais qui l'ont amené avec lui des amis d'Afanso Obakola ensemble, qui tiennent le ficelle de tout le mouvement du M23 et qui tiennent la ceinture du régime de Kagame. Tous les spécialistes grandis à l'Est qui vivent en Ouganda savent qui est celui que vous appelez sénateur à vie. Alors, allez lui demander des questions militaires. Soyons sérieux. Vous connaissez quand est-ce, de quelle académie y est à Outa pour la Soda? Aucune académie. Lorsqu'il va aller en Chine pour faire le stage de 30 jours, ça sera 45 jours ma Chine. 45 jours na Chine, au deuxième mois, il est rentré ici à Kinshasa. À côté de l'armée, premier grade, bah, Pompey, colonel. Donc, il y a un bandana garde, il y a adjudant, il y a lieutenant, il y a capitaine, il y a major, il y a colonel. Deuxième grade, il y a un composé général major. Où soka ba pumba kata atana kindoki ango ba pende malembe o pesina numa kilo le muto pumba ya pumba na motundo esale mate o pesina numa kilo le muto pumba ya pumba ka la moko ba pumba bona ndenge lokwa kiriku donc kiriku a bota makana kwa fire kiriku a bota makana so lo deja kitu kiriku a so bota ma ayebi de sala biloko nyoso nde armo to mona wana Congo so mutu wana kirisis Papa, na Congo à toi na basoda parce qu'ali mutoa ko sauter. Dites-moi, je vais vous rappeler que vous connaissez le vrai conflit. Il vient de se confier à la presse basala qui mission à sans rival. Je crois que les Congolais balanda kabilo quoi. Ce qui toya pour abuzob, ba kolanda biso plein. Balandi vidéo ya général Mounene té na sans rival na Rafael Olkonko tango ba discuter na une émission qui vient de faire, c'était une bombe. C'est un homme qui ne parle pas. Or, lorsque Yazali, chef d'état-major adjoint chargé des forces terrestres, son commandant titulaire, c'était Mounene. Oui. C'est lui l'adjoint de Mounene. Alors, il y a encore des gens qui le dépassent pour les consulter, en ce qui concerne l'armée, qui sont là au Congo. Et vivants. Hein? Quand Kabila est mort, l'aide du camp, il y a Kabila. C'est Edi Kapen, il est là. Tu sais combien de généraux sont en retraite? Ou bah travailler na Bobutu, qui soit à Kinshasa. Vivant. Maman, tu comment c'est qui? Voilà civil. Abunda nulle part. Na na Afdel, na Yangapi, na Wanga na Kayangote, tu bunda kawapi. Tu bando ya to kuti. Faza sa bendin to ba miki meli, bandala la ou ba libérateur, ba poli biso to koti, biso to kotana, netingai, mutu, mundu ki angomoko bando le kangana kilo, puisque je n'avais que moi de 6 ans. Mais mette Joël, na kenge awa, na busaka awa, ma na liboulou a kenge awa. Na liboulou a kenge. Depuis Goma, koma na liboulou a kenge, ou bi territoire boni, ou e koma ki poko ma na liboulou a kenge. Et pourquoi liboulou a kenge salaka ma bitumba, mouke? Pour Maréchal Azaïki, na. Non! Puisque dans l'armée zaïroise, le président, le père de Yade, Fort Nyasimbe, Yadema, avait envoyé des commandos togolais. Et les hommes de commando de Jonas Savimbi, qui appuyaient le Kinshasa, on a fait face à quelques Angolais et les Togolais qui, quelques affrontements mineurs à Kisangani d'abord, où la seule ville où il a dirigé l'opération, la seule ville. Puisque Anselme Massasou, qui était chargé des opérations, n'a pas été disponible d'aller à Kisangani, Anselme a pris la route pour prendre la troupe à Kokenango, Zélé à Lubumbashi. Okay. Et lui, qui était le second, Anselme Massasou, son ami, Ndea Kendaka, qui dirigeait les opérations à Kisangani. Tu sais ce qu'il a pu faire? C'est le plus grand carnage que ce monsieur a fait. Il a tout tué, tous les cas de réfugiés, Bauto, Bayaka, Optomando Bengaka, d'entrée à 94, Kakengo était premier ministre. C'est le massacre qu'il a fait. Cherche à l'internet, tu trouveras. Colette Brackway, un autre journaliste, interviewé Kabila père.
sur le massacre de Kisangani dirigé par celui que tu appelles Bakon Siktei. La vidéo existe. Si les gens ne veulent pas découvrir la vérité, c'est lui qui a créé tout ça et les démons du Congo, c'est celui que tu as cité le nom. Il faut l'exorciser, non pas les consulter, mais l'exorciser. Maître Joël Kitenge, finalement, je pense que Tobandansé est la bino chronique de l'Eftena, Maître Joël Kitenge. Parce qu'avec Maître Joël Kitenge, on apprend. Maître Joël Kitenge, à l'Obakama Kambouna, Basoubasmo, Naye. Et puis, heureusement pour Naye, Andy Marakema, Ravnon, Salubaka et Angajaka. Et Maître Joël Kitenge, peut-être une dernière question. Pourquoi on a comme l'impression aujourd'hui qu'on ne protège que Goma? Comme si au Nord Kivu, il y a que Goma qui existe. On a laissé Bounagana être pris sans beaucoup d'efforts, Bakichanga sans beaucoup d'efforts. Mais quand il s'agit de Goma, tout le monde qui on dirait, bah, comme ça, il y a beaucoup plus d'efforts. C'est comme si on a l'impression qu'on ne protège que Goma, Maître Joaquim. Donc, il n'y a pas question d'impression de protéger Goma au sacrifice des autres territoires. Même pas la question. Goma est la capitale du Nord Kivu. La province du Nord Kivu a 6 territoires. Nous avons Rutshuru, nous avons Lubero, nous avons Nurangongo, Walikale, Masisi et ensuite Beni territoire. Ensuite la ville de Beni, la ville de Butembo, plus la ville de Goma. Et les rebelles ont déjà occupé la totalité du territoire de Rutshuru, mais il y a quelques villages que les FARDC viennent de récupérer, 4 ou 6 villages depuis des jours. Et les hostilités ont repris à Rutshuru. Et à Nurangongo, même mal, la question continue à se poser. Dans le Massissi, une partie continue à se poser. Donc, s'il faut laisser dans cette lecture, le Nord Kivu est contrôlé presque à moitié par les forces négatives. Le Nord Kivu. Excepté les territoires de Lubero, les territoires de Walikale, ou les territoires de Beni, pour ne parler que de ça. Et on ne protège pas Goma, puisque ça, c'est le piscose qu'on crée. Puisque la guerre n'est pas à Lubero, la guerre n'est pas à Beni, la guerre n'est pas à Walikale. Et comment parler déjà de Goma? Donc tu vois, c'est la piscose que les gens sont en train de créer et l'État est en train de tout faire puisque au début à prise à Bounagana, on n'avait pas encore décelé bah infiltration et là qui voilà des mokonzi à Longoli na nous général balaté à tena nous Christian Chiwewete à Longoli bah obé de Rubasi ou raté na na logistique et pour passer Chico le général Kasonga, à Longoli Nano, général Yavete Naba opération pour placer Chico Chitambwe, il y avait encore de fidèles et loyaux serviteurs du Rwanda au sein des FARDC. On ne les a pas élargués tous. Le travail va continuer de fond pour en arriver. Vous avez mais Maître Joël, justement, on a parlé, j'ai parlé ici à l'entrée qu'il y a des militaires qui se sont, qu'on a vu une vidéo ici, bah, le but à Longoli Nabongo FARDC, qui est en M23, je ne sais pas. Comment ça s'explique, cette infiltration, ces mixages, mais c'est très grave, Maître Joël, pour une armée nationale. Madame Pascaline, je ne suis pas tribaliste. Moi-même, je suis du centre du Congo. Je suis né, j'ai grandi à l'est. On ne m'a jamais pointé du doigt. Oh, Moutoua Fulani ou Abrongo Fulani. On ne connaît pas cette histoire du tribalisme. Et tous mes amis, toute ma ceinture, tu me fréquentes, sans ce qui personne n'est pas de ma province. Les autres. Mais disons-nous la vérité, dans la armée, il y a la carte. Mais, soda nyoso, kati armée, il y a côté à Ouda. Soko ali mundando, ali mundande. Ata kwa soda, mukolo kokufa, baka kota na biographie, Kambere, Kambare, Kambarashira, Kambare, tout ça, wapi, oh, Rubero. C'est un exemple que je donne. Mais ça va vous lier à ça. Tant que tali mbunzu ya basoda oyo balungwe ne FARDC balandi wilingoma. Il faut aussi kotala matokolo misisa wilingoma uta nango Rwanda avant ba occuper Bounagana. Utala ki video azo présenter basoda ndenga ye mwa mabundi. Na moni. Nzala mutu ndo ana mutu ayiko koma mutu akomi na masante. Dita mutu ambongo akende. Omola ke eloko ba kongandza mela na Congo. Tous ceux qui ont suivi l'M23 sont des Tutsi. Et ils expliquent leurs raisons. Yo moni moko alobi pe oki akso ki kaksa na ya mundande oki akso na ya mubembe oki akso na ya muluba ya mongo ya ngwaka abingwaka uti kuna ke kokota alanda wilingo mwa za Rwanda. C'est leur conglomérat, leur complot. Et quand on les plaçait au FARDC dans le brassage, c'est pour préparer le chaos. Et qui a créé ce chaos? Il n'y a jamais eu le nombre de Rwandais au sein des FARDC dans ces pays depuis les Zaïre qui est sous la gouvernance de Joseph Kabila. Il n'y a jamais celui que tu appelles Bayo Konsiltei.
lui qui les a créés et il les a pompés tous en grade. Puis ma poste union stratégique qui est armée à Tiakaba Rwanda. Même la police, tu sais, Charles Bisseguiman est resté numéro 1 de la police pendant combien d'années? 12 ans! Et combien sont dans la police recrutés? Combien sont dans la DGDA recrutés? Qui a créé ces chaos? C'est l'homme en barbe là. Mais toujours, est-ce que ça, c'est pas, un homme à pendre. Il n'est pas nécessaire aujourd'hui, bah, ça l'appelle mutation, maître Joël Kitenge. Quelque chose à boyer, na senga qui peut na lobby. Parce que, au moins, la générale, moko azana ituri, azana est kuna, azana 15 ans kuna. 25 ans koutoubo, bah ça 25 ans, quoi, soda za kuna, na mouti noninda kwa tatane. Quand on les mute pas, bah l'ongoula, bah moi, batindi, bah moi, t'as na frontière. Nous avons dit na frontière. J'ai donné un exemple, il y a ma colonel Yussi na Kasumbalesa. Colonel Yusa Kenda Kuna Lietna, Colonel Yusa Komi, Colonel Ful, Azaka na Kasumbalesa, Colonel Alungwakate, Abutiba, est-ce que c'est au caposte à soldat na frontière, boutique à Moutouraba Moula Bongo? Boutique à Essale Makawapi. Et ceux qui font ça pour les garder, intérêt na Bango pour projet na Bango Yali Nini. Motonio so Azali na Kati armée, Azali originaire ya Mouya Rwanda, Bakoki kotinde na opération na Est Terre. Toute affaire cessante relevée dans le poste de commandement, même dans le commandement mineur, ça veut dire bah, lieutenant, bah, sous-lieutenant, bah, capitaine, bah, major, donc bah, commandant assez. Tous ceux qui sont rwandophones, les relever aux fonctions, na est et kotinda bikolo mosusu pour parler à la question. Oya koto sate, à cause de la trahi, à cause de la poursuivie des hautes trahisons. Nalobaka chaque jour na Congoman ignosso. Je n'appelle pas la mutinerie, mais j'appelle à la responsabilité nationale et patriotique. Yo Pascaline so toke non et tumbatwali basoda. Na monio be nyam nyam loko la oso ki kunande. Na ko pesa rapport na kinta sa tenga moko na ko pesa lo rapport ka na zamba wana. Na ko pesa lo rapport na zamba petangu to gouta na esko na rapport be azate to alaki na bitumba. Ngamoko na ko régler yo. N'attendez pas que X vienne de loin pour vous régler l'infiltration. Oyebi ki az infiltré. Yo po vous zimbi mwana na maboko. Le lycée tendeng. Mwana le laga soka za likambo. Maître Joël Kitenge. Le lotu za ki na maître Joël Kitenge. En tout cas bo misana ko mona maître Joël Kitenge vraiment mingi. Ah na le décrypte Pascaline. La situation de l'Est nous préoccupe, ça reste une préoccupation pour na Congomani nyoso de l'Ouest à l'Est passant par Kisangani, Mbandaka, Bumba, na Congo central, na Bandundu, na Kwilu, na Kasai, na Katanga, et j'ai les préoccupations ya Congolais nyonso, ou yaza komi benga Congolais situation ya Est ya République démocratique du Congo, pe bongo, tozali kola ki sa solidarité na biso na bande ko na biso ya Est ya République démocratique du Congo, ya Kolobaye te tokoti kabinote, nous sommes ensemble, pe tozali toujours ko appuyer pe ko pe sa longo na ba Fard de ces abysses au bazali na front, bazali ko sala mosala, longonya mingi na tata mokonzi wa ekolo, o azali ko lembate, azali ko bele la partout, azali ko leka, a bele li partout, azali ko lembate, longonya mingi pe na gouvernement ya République démocratique du Congo, na mosala bazali ko sala, pona ko récupérer mboka na biso. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lobaki ete ata 1 cm ya Congo, e ko zwa mate na banguna, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Parce que qui tenait la bande, j'ai été de côté les manabiso, t'as commis aussi sa émission à biso, t'as fait si bon goût, merci mingi na ba enyonso. Balanda ki biso partout dans le monde, ba balandi biso kuna na Amérique, ba balandi biso kuna na Europe, ba balandi biso na kati ya République démocratique du Congo, ba balanda biso na Kinshasa, bobo sanate ko sa boné. Vous abonnez na YouTube, na DRC Info, na page Facebook na biso DRC Info. Bobo sanate ko s'abonner, ko liker pe ko tiquer la biso ba commentaire na bino. Maître Joël Kitenge, lino banao ya suka pour l'émission. Merci na ba Congolais nyoso qui avons l'habitude ya ko landa biso à travers le monde. Vous êtes tellement nombreux. Nous vous aimons et nous vous disons la cause congolaise n'est pas l'apanage ya Président Félix Tshisekedi est mon côté, chacun est singé à jouer partition naïe. Peut-être élément, si Madame Bina, toi se faire enrôler, toi accompagner mon conjambo quand la macan ici, et je veux qu'on va réanalyser ça prochainement. Je me demande si RLBASI, on a besoin des élections dans ce contexte.
Merci beaucoup, Maître Joël Kitenge, Kimia et Jaranabino, de cœur avec nos frères de l'Est de la République démocratique du Congo. Vous avez gouvernement, il y a beaucoup de monsieur Lansaki, opération enrôlement dans la 4e armée. Vous avez entre 18 et 25 ans, vous avez 18 ans et 25 ans, vous avez beaucoup de monsieur armée pour nous renforcer. Nous avons beaucoup de toujours, nous sommes unis par le sort. Boutique à la malade, je vous tiens à la malade.